Hello, c'est Namiri Alpha. Là, j'ai envie de... Je vais combattre les immortels. J'ai déjà combattu avant, mais c'était pas... Ouais, ils sont quand même mieux organisés, plus forts que les Trinitaires, ça c'est sûr. Donc, voilà. Du coup, qu'est-ce que je fais ici, moi? Comment je fais... Comment je fais ça? Ah ouais, d'accord. On va trouver cette source divine, hein, enfin. J'espère bien. Et puis... qu'est-ce que... Je dois y aller là, j'imagine, ouais. J'ai pas réussi à voir si c'était des hommes ou c'était des... Du mort-vivant en fait. Ah, fait chier. Ça c'est dangereux ça. Avec le bol que j'ai, c'est vraiment dangereux. Mais on y va, hein. Voilà. Maman. Ouais. Wow. Oh purée. Ah, Lara, Trinitaire. Ils vont réussir à percer la glace d'une minute à l'autre. Tu crois que vous pouvez les arrêter? Tout ce qu'on peut faire, c'est les ralentir un peu. On se retrouve de l'autre côté. Wow. C'est joli. Et dans la glace. La chambre des âmes. La source divine doit être ici. C'est par cette porte qu'il faut passer pour atteindre le cœur de la cité. Ok, on perd tout le tour. Allons-y, allons-y. J'ai échoué. Mes péchés ne seront pas absous. J'ai maculé mes mains de sang en recherchant le prophète. Et aujourd'hui, il n'en reste plus rien. Alors que l'assaut se muait en siège, le peuple du prophète a commis l'impensable. Ils ont retourné leurs armes contre le glacier et enterré leur propre cité. La glace a enseveli tout le monde, que ce soit les Mongols ou les disciples du prophète. Le Khan et sa horde de guerriers sont morts. Les habitants de Kitej sont brisés et dispersés. Moi seul ai survécu, dans le cœur gelé de la cité, avec pour seule compagnie l'armée d'immortels du prophète, aux yeux brûlants d'une lueur impie. Encore maintenant, ils traquent les survivants dans les ruines. Mmh. Ah, il y a de la lumière qui passe ou... C'est quoi ça? On peut remonter. Oh oui. Je ne sais oui. pas comment je me représentais un être immortel. Mais Jacob semble si... humain. Il est... Quand je pense aux enfin, choses dont il a été témoin au fil des ans, à ses expériences, à ses connaissances, ça dépasse l'entendement. Et pourtant, il a menti à son peuple pendant des générations. Tout ça pour garder ce secret. Quelle merveille la source divine nous révélera-t-elle? Les hommes saisiront-ils enfin la véritable nature de l'âme? Ou auront-ils accès à une fabuleuse découverte scientifique? Dans tous les cas, les enjeux sont trop importants pour laisser la Trinité s'en mêler.
Bon, je pense que là, vraiment, c'est la ligne droite et puis dernière ligne droite. Et faut pas que je loupe cette histoire. Les immortels surveillent les rues. Je dois rester discrète. Il y a plein de trucs à fouiller, purée. Bon, bah allons-y, hein. Du mongol. Je n'arrive pas à comprendre. Oh putain. Incroyable. Le style paraît ancien, mais on voit... un train. L'arrivée des soviétiques.
On est à vue. Ça me stresse un petit peu, que ça me stresse un peu, même beaucoup même. J'y arrive presque. Je suis presque. Le sac contient un morceau de silex. C'est une amorce pour le feu. Les soldats mongols devaient pouvoir se débrouiller seuls. Mmh. Et merde. Wow. Non mais tu te fous de moi? Merde, il me tire dessus. Sans déconner. Je peux peut-être m'en servir pour enfoncer cette porte. Non, c'est pas assez près. Non plus. Plus haut. D'accord. Bon. Du coup, je fais quoi? Je monte là-haut ou quoi?
sont nuls. Voilà. Un autre bien. Mais oh. Je suis fatiguée, je crois. La porte est ouverte. Allons-y. Les structures ont été abîmées. La bataille a causé beaucoup de dégâts. Mais la cité tient encore debout. C'est quoi ce truc? C'est un défi aussi, j'imagine. C'est quoi ça? Bon. 1 sur 8. Bon, j'en ai vu d'autres, hein, mais... Je savais pas trop ce que c'était comme bestiole. Bien. Bien, bien, bien. Cette fresque rend hommage aux combattants morts et aux victimes de la maladie et de la faim.
Ah ouais, ça perce, ça perce. Hein. Oula. La chambre des âmes est derrière cette porte. Je dois juste trouver un autre trébuchet. Toi, Lara. Tu dois atteindre la source avant eux. Tu ne peux rien faire de plus pour m'aider. Va te mettre en lieu sûr. Pas question. Tu as besoin de nous autant qu'on a besoin de toi. On survit ensemble ou on meurt seul. Allez, vas-y. D'accord. Je pense que ce serait quand même très long, ce... Un membre de la Baltique. La facture est incroyable. Il devait appartenir à une noble. Il va être long, cet épisode, je sens. Là, je ne vais pas très rapide. Je ne suis pas très rapide pour avancer. Il y a de la peine, non ? Il y a de la peine. Mais non.
Je crois que je vais faire un truc super fou. Mais je vais essayer. Non. Ça va pas. On est plus là ? Oh non. Encore un truc à passer ou je sais pas quoi là. Super. C'est parti. OK. Bon. Tac tac tac. C'est où en fait? Quelque chose me barre la route. Il doit y avoir un moyen de la dégager. Ah. Oh. Merde. Mais ces feux là. Ah ouais. Quelque chose me barre la route. Il doit y avoir un moyen de la dégager. Ouais, je vois. J'ai pas assez de force. Et voilà.
Ça a marché. Je vais pouvoir aller enfoncer cette porte. Les mecs, j'arrive. Mais... Ça me fait chier, nom de Dieu. Ces mécanismes gelés me compliquent la tâche. Les soldats mongols ont dû se retrouver enterrés dans la glace avant de pouvoir atteindre le cœur de la cité. Un autre poids. Ça a marché la dernière fois. Mais oui, mais il est où ? L'autre poids.
tout de moi. Oh la vache. Bon, je pense que ça va pas être le dernier épisode, hein. Du tout. Ah, maman. Ouais. Je suis tellement doué que... hein. Le siège de Kitej a certainement duré des mois. Il faut que je fasse pivoter le bras pour mettre le poids en position. D'accord. Ah, j'ai compris. Je suis con. C'est bon. J'ai compris la chose. Ok. Oh là là. Hop. Tac. Et puis... ça devrait faire contrepoids. C'est quoi ce délire? C'est quoi ce machin? De l'eau. Bah ouais. C'est tellement simple. Thank you.
Pourquoi j'arrive pas à le faire? J'ai compris, purée, oh là là. Amen. Oui, ça a marché. Ben voilà. Pfiouf. Quoi encore? Oh mais ton caca, c'est le truc. Faut que je m'en débarrasse. Reste avisé avec ce truc. Mais... je vise, hein. Ah non, c'est pas là. C'est pas là. J'ai fatigué un peu plus. Wow. J'ai fatigué. Oh putain. Allez. Merci. J'y croyais plus. Bon, maintenant que la voie est libre, je peux y aller quoi. Du coup, bah écoutez, on va continuer la prochaine fois parce que là ça fait un peu trop long l'épisode. Alors voilà. Alors je vous dis à bientôt. Ciao ciao.